Bonjour, ben, ce soir je vais continuer le donjon Nullbeuk, la muette du désordre ou du chaos. Donc, continuer. Alors, je ne sais plus où j'en étais, hein. Ça fait un moment. Le feu brûle le poison contamine la bière et la bière éteint le feu. Ah, d'accord, ça fait un cycle. Ok. Bon, tu te dépêches? Oh putain, il est lent! Allez, dépêche-toi, bon sang! C'est bon, évidemment. Alors, la dernière fois, j'avais choisi la paladine. Non, c'est pas ça. Inventaire. Est-ce que tu peux prendre le bouclier? Ah, elle peut pas être déséquipée, voilà, c'est bien pratique. Dague lamentable du vagabond. Non, c'est moins bon. Bon, donc, c'est bon, on va. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Parler au mage du carré VIP. Non, c'est par là. Non, je sais plus où c'est. Moins. Est-ce qu'il y a moyen de voir la carte? Est-ce qu'il y a moyen de voir la carte en entier? C'est Ok. important de bien recevoir les issues de ces Carré nouveaux VIP spectateurs. ici. Discuter avec donjon facile, chacun est un gros bill. Ok, commercer les armes, il n'y en a pas, bouclier non plus, accessoires non plus. C'est fait quoi ça? Ça sert à rien, ça sert à rien ce truc là. Pourquoi il me propose. Puis attends, vieux drap moisi et clou rouillé. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Le vieux drap moisi, c'est le suaire, et puis les clous rouillés, c'est les clous de la Sainte-Croix. Mais. Bon, là, le prix s'explique, mais le médaillon lapin orné de gemmes, fiole de graisse sacrée, canard séché. Je vois pas la référence. S'il y a une référence, je la vois pas. Ok, bon. On est ici, c'est à lui qu'il faut aller parler. Mitrandir, alors, c'est une référence à Gandalf, ça. Bonjour, maître. Nous sommes des aventuriers. Je vous attendais. Ah bon? Oui, je suis Mitrandir, archimage consultant. Je possède une capacité intrinsèque de prescience divinatoire subastrale. Pardonnez-moi, mais c'est quoi un archimage consultant? Eh bien, je loue mes services comme conseiller en arcane et art de sorcellerie, mais aussi en démagogie politique et en entropie organisationnelle. Et ça paye bien? Mes tarifs commencent à 5000 pièces d'or par jour. Ah, quand même. Oui, tout de même. C'est-à-dire que nous avions besoin d'aide et... On va pas lui lâcher 5000 pièces, ça n'a pas la tête. C'est vrai que cela dépasse un peu nos moyens. C'est efficace, votre truc? En tant que ranger, vous devez être adepte du management participatif basé sur la mise en valeur des capacités interpersonnelles de votre collectif exploratoire, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr.
Il y a une question dans votre phrase ? Je peux vous aider à développer les synergies sur les marges brutes de la mise en œuvre des compétences de combat, afin d'optimiser le retour sur investissement de votre entreprise pluri-individuelle. C'est un sorcier. Il essaye de nous hypnotiser. Bon, je vois bien que vous êtes limité sur le plan pécuniaire. Alors, je vous propose de me rendre un petit service, disons, discret. La discrétion. Un concept là encore peu fongible avec l'honnêteté. Je me suis laissé entraîner dans un processus ludique à vocation pécuniaire au moyen de rectangles de carton illustrés dans un endroit que la morale réprouve. Attendez, si je comprends bien, vous avez joué aux cartes dans un tripot ? C'est simplificateur. J'ai laissé une fâcheuse reconnaissance de dette dans le lieu de perdition tenu par les peaux vertes et sise à la cave du présent donjon. Si vous pouviez éteindre la dite créance par denier, force, ruse ou arcane, je serais votre budget. Et à combien se monte cette créance ? C'est un détail sans importance. Ah bah. Nous ferons de notre mieux, monseigneur. Le mot de passe pour vous rendre au tripot situé dans la cave est Maracas. Je dois souligner que pour avoir notre aide, vous devez également obtenir l'accord de mon autre comparse, le Minster, qui s'est absenté un instant à la cuisine. Quoi ? Un autre sorcier ? Estimez-vous chanceux. D'ordinaire, nous sommes trois, mais notre troisième comparse mène actuellement une mission en freelance. J'aime pas trop comment ils abusent. Enfin, en même temps, on économise 5000 pièces d'or. Un mot, jeunes gens. Il se peut que vous trouviez justement une épée particulière au tripot, avec mon nom dessus. Je compte sur votre discrétion à ce sujet. Nous serons muets comme une tombe. Je suis désolé d'avoir fait un peu de bruit. Alors, attends. Où est-ce qu'il faut aller ? Attends. Où est-ce qu'il faut aller ? Vous êtes ici, quête principale. Ok, donc il faut aider Mitrandir, aider le Master. Ah ben on va aller aider le Master. Attends, bon, je vais d'abord sauvegarder. Ce sera toujours ça de fait. Ok, c'est lui le master. Bonjour. Faux magicien. Non mais toi, je suis le monster, archimage de la Mimolette et grand magicien de Fang, que voulez-vous ? Votre collègue nous a envoyé vers vous pour vous proposer notre aide. Ah, intéressant. Je suis spécialiste du fromage, et donc je les collectionne. Je rédige un traité qui sera l'œuvre de ma vie, Wikimander, l'encyclopédie universelle du fromage. Excusez, mais y a quoi comme rapport entre fromage et sorcellerie ? Par exemple, prenez le fromage du légume vache qui a brouté sur les ruines de la forteresse de Xor. Les vers qui s'y développent peuvent servir pour lever une armée de morts vivants. Monsieur Immonde ! Ah oui, tout de même. On se rend pas compte. Bon, vous disiez vouloir travailler pour moi. C'est pas comme si on avait le choix. L'idée, c'est de vous rendre un service pour que votre collectif de mages puisse nous aider dans notre quête. Je vois. J'ai justement besoin d'aide. Le chef cuisinier détient un fromage de grande renommée qu'il refuse de me céder pour un prix décent. Il s'agit d'une meule de fromage de Clark. J'ai essayé de lui faire une proposition honnête, mais le ton est monté avec ce targetier de malheur et... Et vous auriez besoin de parfaits inconnus pour l'en délester par des moyens pas totalement légaux ? Les détails pratiques ne m'intéressent pas. Mais si d'aventure vous trouvez ce fromage, je saurais me montrer plus coulant. Plus coulant, c'est de l'humour fromagé. J'ai pas... Sans aller droit au cœur de la meule, ni des craintes. Je vous attendrai au carré VIP, avec impatience et pain au noir. Bon, je vais re-sauvegarder parce que... Je veux pas me retaper le... Voilà. Bon alors, le Brésil mène 1-0. Je suppose que c'est là, hein, la... Oh, les jolis dessins, c'est quoi ? Attends. Où est-ce que... Ah oui, là. Rassurez-vous, nous venons en paix. La paix, c'est pour les mauviettes. Oh, les quoi, c'est bientôt le coup de feu.
Sans rire, vous avez une arme à poudre? Mais bouclez-la! Nous recherchons une meule de fromage de Glargue. Ah, ça? Oui, j'en ai. Et du bon. Pure brebis-fente sauvage. Et il n'y en a pas beaucoup, croyez-moi. Hein. C'est du Glacos de luxe. C'est toujours le coup de massue, les prix dans les gargotes. Il veut nous refiler du fromage de bique à varier. Restez poli, hein. Et donc, combien pour cette merveille gustative? Une bourse d'or. Je sais, c'est un peu cher, mais c'est un fromage magique. Et puis, pour la prime, je rajoute un kilo de miel et une miche de pain. Donne ton Clacos, ou je te saigne comme un pourceau. Ça recommence comme avec l'autre sorcier fou. À moi! Alors, j'ai l'impression que c'est Repart de Kaamelott, mais en jeune. Bon, alors... C'est quoi ça? Des rats. Là, c'est des explosifs, ça. Est-ce que je pourrais pas... C'est qui joue, là? Le Ranger. Là, c'est juste pour les placer. Alors, par contre, je vais pas me mettre à côté de... C'est qui, là? Ah non, non. Bon, c'est pas grave. Tiens, attends. Le nain, je vais le mettre avec l'elfe. Ça, je vais le mettre ici. C'est qui la paladine? Normalement, c'est. Ça peut aller au cac, la paladine. Et le voleur, où est-ce que je vais le mettre? Ouais, je vais le mettre ici. Voilà. Magicienne, je vais la mettre ici. Est-ce que je vais sauvegarder? Je sauvegarde. Et baston. Je vais vous désintégrer. Alors, je me rappelle plus vraiment comment on joue. C'est pas vraiment ce que... Enfin non, mais je suis... Bon. Je vais rester là. Fin de tour. Con arc de cercle. Cri puissant. Dommage s'il avait fait un peu avant. Ça dure combien de temps? Oh non. Non. Voilà, retarder son tour. Ah, ça va lui enlever quand même. Et non, mais il n'y a jamais les attaques d'opportunité, là? Mais je comprends pas pourquoi, là, il n'y a pas eu d'attaque d'opportunité. C'est... Ok. Fin de tour...
Je pense que je peux pas, donc on va se déplacer. Magicienne. Magicienne. Non. C'est quoi ça? Non, ok. Oh putain, c'est efficace ça. Fin de tour. Alors. Ah putain. Non mais alors les attaques d'opportunité, il faut surtout pas que j'en aie moi. Hein. J'y ai pas droit. Hors combat dans un tour, bah d'accord. Ah non mais c'est pas possible. Bon. Comment ça se fait que j'ai encore... Ok. Voilà, bon. Évidemment. Esquive. Quoi ça? Attention, les rats, ça mange les livres. Voilà. Oh, putain, mais il est mis en tas de cendres celui-là quand même, hein. Alors...
Ah, mais putain, mais il est à bout portant, mais c'est insupportable quand même. Pardon. Je suis désolé. Le voleur. Bien. Ah merde, j'ai une attaque. Ok. Non mais un rat qui me fait 14 de dégâts, c'est insupportable, c'est pénible à force. Oh mais bon. Non mais en plus lui il est en feu. Ah mais arrête de voir ça. Bon, attends. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Tom, il a une attaque. Mais ils ont le droit d'avoir des attaques qui fait des dégâts à eux, hein. Alors. Dommage. Est-ce que je vais me faire celui-là? Ah, il reste des points. Oh. Est-ce que j'ai... Putain, c'est pas vrai. Alors, le nain. Bon, c'est bon. Alors. On se met en défense là. Bon. Bon, ok. Il faut que je regarde quelque chose. Ok, apparemment. C'est instable, la connexion. Je sais pas. Bon, on verra. Alors, où est-ce que je vais aller par là ou... Honnêtement, est-ce que c'est plus court par là, je pense. Ta gueule. Bon. Ok.
Ouais. Ok, j'ai rien pour les ranimer, hein. Ah merde, je pensais que ça lui ferait quelque chose. Attends, j'en suis au niveau de la vie pour l'ogre, non. Bon, je sais pas. Magicienne. Bon. Voilà. 10 points. Putain, ouais, c'est quoi cette bouse? Je suis complètement d'accord avec toi, Lena. J'étais persuadé que c'était un truc qui explosait, ça. Et là, les attaques d'opportunité, putain! Ah, quoique... Je peux pas l'utiliser sur... Bon. Ok. Ah mais j'ai plus de... Pourquoi il peut pas attaquer Coup critique. Ah très bien. Bien. Mais
Mais quoi, il est pas mort, lui? Ah, oh, putain. Bon sang. Alors, est-ce que je pense que le réanimer le l'ogre c'est pas mal. Il y a combien? 19. Ah, 13. Soin. Allez. Je suis en train de crier, elle est pas mal. Ouais, bon, c'est bon. Et là, il n'y a pas d'attaque d'opportunité, bordel! Ah, c'est pénible! Voilà. Bon, c'est bon. Ah bah dis donc. Mais c'était insupportable. Alors. Non, je vais pas soigner le groupe, je vais aller tout prendre. Je vais pas soigner le groupe, je vais aller dormir. Ah, voici le. Ouh, je sens fort. C'est comme les bottes de mes oncles après une semaine de chasse. Je me sens pas bien. Mettons ça dans un sac qui fait chaud au corps. Qui pue? Ok, donc je vais sauvegarder. Mais comment ça se fait qu'il n'y ait plus de musique du tout? Non pas que moi ça me manque, mais je n'ai pas coupé la musique, non? Je comprends pas. Volume général, je sais pas. L'elfe gagne un niveau. Ok, donc et là, où est-ce que, qu'est-ce que je dois fouiller? Ici. Cette bibliothèque est incomplète. Ok, la gastronomie, vous devez avoir tous les. Oh, pff, c'est pénible ça. Bah, il n'y a rien à récupérer ici. Ils sont pas très généreux sur les loots. Hein. Ah tiens, au fait, le niveau. D'abord, qu'est-ce que j'ai récupéré comme... Montrer les objets équipés. Acquis récemment. Ça, c'est pour la paladine.
Non, la magicienne. Bah, ça a l'air d'être mieux, ça. Comment je l'ai équipé? Non, ça, grand marteau, ça, ok, ça, je l'ai pas. J'ai pas regardé la protection 5, 0, protection. J'ai rien. Aussi. Protection 1. Ouais, non, je vais garder ça. Ça, c'est pour le barbare. Si ça sent, c'est mes bottes. Protection 2, charisme 2. Ça, c'est pour l'ogre. Panier insalubre. Je pense que c'est mieux, ça. Ça, c'est pour le barbare. Mais c'est ce que je viens de déséquiper, non? Brassard de rempailleur de chèvre. De chaise, de chèvre. C'était encore mieux, chèvre. Alors lui, c'est le ranger. Zut, c'est le foutoir là-dedans. 1 plus 1, protection. Oh. Je vais le garder. Bandeau mignon. Alors ça, c'est pour l'elfe. Endurance ou énergie. Ok, je vais. Protection plus 1, adresse plus 1. Oh, attends, je sais pas. On verra. Ceinture de plomb. Qu'est-ce que ça donne? Non, pas. Ceinture à boucle. Emplacement. Et ça. Mouvement moins 1, parade plus 3. Ouais, c'est pas mal ça quand même. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. C'est mon matériel. Emplacement 1. Non, ça apporte rien ça. Bon, ça a l'air d'aller. Alors, comment on regarde pour le niveau compétence? Alors, adresse, courage, détermine l'initiative, le personnage qui a le plus de courage commencera le tour, et puis adresse, augmente la précision, plus 2 par point d'adresse au-dessus de 10, augmente le score d'esquive, plus 2 par point d'adresse au-dessus de 10. Je vais tout mettre là, la compétence. Bisous d'encouragement. Un tir qui inflige de légers dégâts et peut s'appliquer aléatoirement à un malus de précision. Et voir le charisme. Ah, la 14 de charisme, ouais. Pom-pom girl de la forêt. Non, je crois que je vais prendre le soin. J'en manque. L'elfe gagne plus 5 en précision pour ses attaques à l'arc et ne subit plus de malus de courte ou de longue distance. Ok. Non. À chaque tour, l'elfe esquivera toujours la première attaque d'opportunité qui la vise. Ça, c'est pas mal, ça, comme truc. L'elfe ne peut plus être empoisonné. Ok. Non, je crois que je vais prendre ça. Voilà. Bon, là, on va aller pioncer. Il y a rien à récupérer là. T'as quel rat au niveau des des loot. Attends, c'est par là, je pense. Euh,
commercer. Est-ce que je vais pas prendre un petit peu de des potions? Il n'y a pas de potions de soins. Ça c'est pas mal ça, c'est pour repartir son soin 8 seulement, petite bière, brassée force plus 4, adresse moins 4. Je vais en prendre 1, 2. Plus de jets. Systématiquement débile, mais toujours inattendu. Ça, c'est une référence à Kaamelott, j'en suis sûr. Quand les deux crétins, ils essayaient de trouver leur technique, ça doit être Arthur leur a dit ça à un moment. Surprenez vos adversaires en combat avec ce poulet de jet compatible avec les ceintures munies d'un système d'attache universel. Saucisse. Plus 10 de PV. Ça risque de mettre du gras partout. Ouais, je vais prendre les 5. J'ai combien de pognon? 926, ok. L'argent doit circuler. Courage plus force. Ah, j'ai pas pris. Ah, mais j'aurais dû utiliser. J'aurais dû mettre des bombes. Ah, non, mais c'est cher. Rachat, vendre. Ah, mais il faut que j'utilise un peu plus les. Un peu plus les trucs que j'ai là. Ok, bon. Se reposer. J'espère que ça enlève les coupures et tout ça, parce que sinon je suis dans la merde. Ouais, il n'y a plus de coupures et tout, c'est bon. Voilà. Bon, alors il faut aller voir l'autre là dans le coin VIP. Peut-être une petite sauvegarde avant. Normalement, j'aime pas sauvegarder sur l'ancienne sauvegarde, la précédente sauvegarde. Ah, je sens d'ici le fumet incomparable du lait de brebis fort fermenté dans les outres en pot de Morschlag. Ah, c'est comme si on avait renversé les poubelles d'un restaurant pour gobelins. Oh. Nous sommes heureux de vous en faire présent. Oui, et puis, ça soulage. Si seulement on pouvait se rouler dans les fleurs maintenant, ça ferait peut-être pas si longtemps. Je dois reconnaître que malgré votre intérêt pour des sujets totalement éloignés du lactosérum et de la présure, vous avez un certain talent. Nous espérons que vous allez pouvoir nous aider. En ce qui me concerne, oui. Mais il me faut l'assurance que mon confrère est satisfait, quand bien même il est inculte en matière de préparation fromagère artisanale. Ok. Alors là, par contre, je vais faire une petite coupure. Je me suis trompé de moment pour faire la coupure, donc je la fais maintenant.